Vous êtes venu me dire qu'on ne peut pas se cacher. N'est-ce pas Vous vouliez du temps. Nous avons attendu. Mais le temps seul ne guérit rien. Vous n'êtes pas juste venu pour moi. Ce sont les visions. Vous les avez vus. Oui, mais comme beaucoup d'autres, sans doute. Quelque chose, quelqu'un, clame sa présence depuis le cœur du monde, comme une voix issue d'un rêve. Chose sombre approche à grands pas en deux. Le monde a encore besoin de votre lumière. Mon fils... Je ne suis plus cette personne. Je n'ai aucune lumière. Pas après ce que j'ai vu. Pas après ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas votre passé, Anduin. Écoutez, quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Vous le savez. Mais nous avons été attirés ici par une voix. Qui est Estral Qui donc nous appelle Je n'en suis pas sûr. Mais cette épée était pointée vers quelqu'un. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la cinématique de World Soul. Saga, mais surtout en l'occurrence, eh bien, The War Within. Et euh, en l'occurrence, c'est tout simplement une cinématique. Que je suis euh, extrêmement fier déjà en dehors de, de faire de l'analyse ensuite euh, étape par étape, moment par moment, etc. On avait déjà eu un cap qui avait été commencé euh, à peu près à l'époque de Battle for Azeroth avec, euh, alors. Entre guillemets c'est même bien avant, mais en CGI c'est vraiment à l'époque de Battle for Azeroth, mais euh, Cataclysme avait commencé à vraiment mettre en avant des cinématiques, et surtout c'était Mist of Pandaria qui avait mis en avant ces... Euh, euh, notamment les... Avec les, les fardeaux de Chawao, on avait commencé à faire des cinématiques, davantage de cinématiques pour narrer, pour aider à la narration du jeu, et du coup aussi à... Euh, au côté s'accrocher à l'histoire du jeu et faire en sorte aussi éventuellement à plein de joueurs qui ne s'intéressent pas forcément au lore à, à s'y intéresser justement et à les rendre curieux. Donc cette étape euh, où la narration dans World of Warcraft a commencé petit à petit euh, à être un peu plus mise en avant, hein, c'est un long processus qui a pris une vingtaine d'années, et aujourd'hui eh euh, nous avons notre première véritable cinématique d'introduction de World of Warcraft où il n'y a pas de combat. C'est Dragonflight avait au moins ce petit moment d'action de fin. Shadowlands, il y avait quand même Sylvanas versus Bolvar. C'est juste deux personnes qui parlent. Bon, il y a une troisième qui essaye de leur parler, mais globalement, c'est deux personnes qui parlent. Ça a l'air anodin. Ça a l'air d'être un tout petit truc, quelque chose de. qui, honnêtement, au niveau marketing, devrait absolument pas vendre cette extension qu'est The War Within. On devrait se dire, c'est un, une prise de risque énorme, vraiment, hein, ce qu'ils ce qu font. Mais en fait, ils sont tellement confiants dans leur narration et confiants dans le fait que, euh, vraiment, l'histoire de Warcraft est le cœur du jeu et Dieu l'histoire, eh bien, on en tire absolument tout des mécaniques de gameplay le PvE le PvP etc et bien que ça y est le pas est franchi on avait encore une fois déjà commencé avec Battle for Azeroth, en dehors de la cinématique d'intro qui était vraiment bagarre bagarre mais globalement plein de cinématiques de narration où c'était juste des discussions et des trucs stylés on a vu celle de Shadowlands au début ou en dehors du combat Bolvar Sylvanas qui est rapidement expédié d'ailleurs hein, euh, la plus grande tristesse la plus grande tristesse de Bolvar bien sûr mais au final, on avait eu beaucoup de contemplation aussi. Dragonflight, la cinématique d'intro, on avait une narration, etc. J'étais en mode waouh, vraiment de plus en plus, il commence à mettre en, en... Et là, ça y est, officiellement, nous avons notre première cinématique sans action, en fait. Et ça, c'est assez dingue. Donc euh, ça montre à quel point, euh, petit à petit, c'est pas quelque chose de nouveau, je sais que beaucoup de gens vont dire oui, c'est parce que Medzen est arrivé. Medzen, ça fait un an qu'il est sur WoW. Euh, ça fait... Depuis Légion qu'il est parti, même depuis le début de Légion qu'il est parti, euh, il était revenu pour donner euh, sa voix à Tral, prêter sa voix à Tral. Donc, euh, étonnamment, quand vous avez Tral dans une extension, Mezzan était là, euh, même s'il était en contractuel. Donc ça n'a rien à voir avec Metzen, c'est déjà un processus qui a été entamé depuis très longtemps. Ça me fait toujours plaisir et je tiens à le redire quand vous entendez des gens dire oui, le lore, on s'en fout, machin, etc. Là, c'était déjà le cas. Encore une fois, je rappellerai aussi que Shadowlands, c'était la première extension où la narration était obliga fin, le, le, le chemin narratif était obligatoire en imposant... Les quêtes euh, dans les campagnes de narration sans pour autant casser les, les noix à tout le monde avec le fil du destin, mais euh, globalement, tu commences à Bastion, tu enchaînes à Malraxus, Into euh, Silverden, Raven et on a gardé ça à Dragonflight, on gardera ça à The World Within, puisque ça permet d'ancrer une histoire, d'ancrer le cœur de ton extension, etc. Donc on a vraiment un, un cap qui a été franchi. Euh, c'est ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, surtout quand, bon, bah, vous savez, vous me suivez un petit peu normalement, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'histoire, et du coup voir une cinématique euh, qui est vraiment tournée autour de l'histoire, c'est un message fort aussi qu'envoie voit euh, Blizzard à ce niveau-là. Et donc, euh, cette cinématique, globalement, bah, comme il n'y a pas 10 milliards de trucs, euh, ce qui va être surtout important, c'est que je vais faire beaucoup de rappels, même si, là on a... Des rappels, des rappels à pas mal d'extensions. Évidemment, Battle for Azeroth, évidemment, euh, Shadowlands, ça c'est évident. Étonnamment, pas trop de Dragonflight et aussi du Légion, sachant que vous avez des arcs qui s'empilent enfin, sur pas mal de trucs, mais là on va pas se mentir, c'est Légion, BFA, euh, SL qui apparaissent comme les trois extensions de référence pour cette cinématique. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, euh, peut-être que je ferai une vidéo vraiment. J'ai déjà commencé à vous faire une playlist The War Within pour que vous ayez un petit peu tout ça. On fera une vidéo dédiée à l'annonce la... de World Soul Saga et une autre sur The War Within et une autre sur d'autres sujets, notamment les terrestres et. Exalatas, mais pour le moment, avec cette cinématique, euh, vous avez déjà euh, le matériel de référence qui est Chronicle. Beaucoup de gens, je vois souvent des gens se dire Oui, mais est-ce que Chronicle Chronique est, est décanonisé ou quoi que ce soit Pas du tout, et au contraire, Chronicle est au cœur de la World Soul Saga. Vraiment, c'est le matériel euh, de, de base, de référence. C'est le noyau dur ici sur lequel euh, s'ancre euh, le, la, la World Soul Saga, et donc The War Within. Donc, nous commençons avec Anduin. Anduin qui, euh, comme prévu, hein, pour ceux qui avaient suivi nos vidéos sur Shadowlands, comme prévu, Anduin revient euh, revient euh, par particulièrement. Comment dire, particulièrement marqué, particulièrement. Euh, ouais, vraiment il est... Il est... Il est encore hanté par euh, ce qu'il a subi pendant Shadowlands, à savoir euh, qu'il a été globalement Mind Control, c'est-à-dire qu'on l'a forcé. On a forcé son esprit et son corps à agir contre sa volonté et à faire des choses qu'il ne voulait pas. Et donc, évidemment, faire ça, celle-là, ça et être hanté par une puissance primordiale euh, qui est le geôlier, donc à savoir euh, l'un des grands représentants des forces cosmiques euh, d'Azeroth, à savoir, je rappelle, il y a six forces cosmiques, la mort, la vie, la lumière, le vide, euh, l'ordre, le désordre, donc euh, le chaos, euh, les démons. Eh bien, dans ces six forces cosmiques, il y a le geôlier euh, le grand méchant de Shadowlands qui euh, s'est servi euh, d'Anduin comme un avatar et qui s'efforce, qui, qui, qui a forcé euh, le, la main sur Anduin. Et donc, eh bien, forcément, il revient hanté, il revient euh, avec les stigmates de ce qui s'est passé à Shadowlands. On en reparlera de toute façon plus tard dans la cinématique. Et donc, c'est pour ça qu'il a l'air aussi euh, marqué et fatigué. Et en plus, j'en profite pour rappeler qu'Anduin, il, il a vieilli. On a eu des vidéos de chronologie numéro 2, mais on a eu des ellipses, on a eu un petit peu de temps euh, qui euh, s'est passé entre euh, Battle for Azeroth, Shadowlands et du coup Dragonflight. Donc, oui, il est à peu près autour de 27 ans aujourd'hui, Anduin. Euh, donc, euh, oui, effectivement, euh, le... bah, il, il vieillit un petit peu. Et c'est vrai qu'un des trucs qui probablement marquera les... beaucoup de monde, c'est la qualité des effets spéciaux avec un Anduin d'un réalisme à couper le souffle. Hein, le, le motion, la motion capture ici est extraordinaire, euh, qui a vieilli, certes. Alors je sais que certains, justement, quand ça devient trop réaliste, n'aiment pas forcément, mais euh, moi je le trouve incroyable. Hein, et encore une fois, bah, les, les expressions faciales sont, sont dingues. Et du coup, eh bien... Il a des visions avec une voix de femme qui l'appelle Anduin, hein, et on voit une espèce. Ça vous rappellera probablement quelque chose si vous avez joué à Battle for Azeroth. Ça rappelle beaucoup l'azérite, hein, évidemment, ce matériau jaune et bleu. Euh, mais là, c'est ma de l'azérite sous forme liquide, hein, globalement. Une sorte de noyau, une sorte de cœur euh, avec une voix féminine. Évidemment, on pense à Azeroth, euh, le titan qui sommeille l'âme-monde. Hein, euh, littéralement, the, the World Soul Saga, donc l'âme-monde. Qui sommeille dans la planète, qui est un peu le noyau de la planète, c'est un titan en gestation, à savoir Azeroth. Azeroth. Et en l'occurrence, eh bien, nous avons donc euh, notre cher Anduin qui est euh, rattrapé par Thrall. Alors ça, c'est le truc pas terrible de la cinématique. <laughs> Thrall, qu'est-ce que tu fais euh, On va dire que c'est Jaina. On va dire que c'est Jaina qui l'a tp, mais qu'est-ce que c'est que ça, Jaina Enfin, euh, à la limite, un bruit de tonnerre en mode bon, vas-y, euh, si tu veux, je vais vraiment jouer jusqu'au mais là, ouais, il a... Trale a pris son, son petit épée comme ça, là. Attends, pourquoi il n'y avait pas besoin de faire ça En vrai, il n'y avait pas besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi ils font ça. Enfin bon, du coup, Trall qui euh, arrive, où sommes-nous Parce que c'est vrai que cette grande étendue de sable, euh, on pouvait se dire, à peu, on pouvait évaluer à peu près où c'était. Mais la cinématique de la fin nous évoque évidemment où c'est. Euh, au minimum, c'est 1000 pointes, mais ça a l'air surtout d'être Silitus. Silithus, puisque vous avez eh bien, l'épée qui est enfoncée, l'épée qui est goribale, l'épée de Sargeras, Sargeras le titan noir, qui à la fin de Légion a harponné euh, la, la planète avec sa grosse épée, euh, à tel point que ça l'a quasiment transformé en montagne. Hein, euh, et euh, du coup, la, la planète euh, saignait, un hein, héros euh, à zéro de pleurs de douleur, on va en reparler de lui d'ailleurs. <laughs> la planète euh, souffrait, il y avait une hémorragie tout le cœur de Battle for Azeroth, de l'extension, ça a été justement de contrôler cette hémorragie et de stabiliser le patient, c'est ce qu'a fait Battle for Azeroth, en attendant de pouvoir mieux travailler cela et de pouvoir aller encore plus loin, et beaucoup de gens s'étaient plaints qu'à Shadowlands Dragonflight, on n'est rien concernant l'épée, Blizzard avait dit « Attendez, ne vous en faites pas, ce seront des arcs narratifs sur le sujet », et c'était logique et évident, évidemment, euh, et donc, eh bien, ça y est, c'est carrément trois extensions qui sont consacrées justement aux conséquences euh, de euh, l'épée maintenant qu'on a stabilisé les conséquences de la suite vis-à-vis -vis de euh, l'épée par rapport à Azeroth. Et donc ça c'est très très bien, c'est très très bien. Euh, Là-dessus, c'est vraiment excellent. Et donc nous avons une nous donc nous savons que nous sommes en Silithus c'est-à-dire la zone sud euh, de Kalimdor donc globalement la région d'Uldum. Et donc nous avons eh bien euh, nous avons une conversation entre Anduin, donc euh, le roi euh, du royaume d'Azeroth et à savoir le représentant globalement hein, le chef un petit peu de l'alliance, avec Thrall qui, euh, j'ai envie de dire officieusement est le chef de guerre de la Horde. Donc euh, nous avons les deux grandes factions représentées. Euh, dans tous les cas, elles sont au moins représentées par Anduin pour l'alliance, Thrall pour euh, la Horde. Même si bon, Thrall est quand même le fondateur historique de la Horde, euh, actuel en tout cas. Donc bon, c'est voilà, lui, il n'y a pas de problème euh, là-dessus, même si effectivement aujourd'hui la Horde se dessine sous un conseil euh, de guerre. Et donc Tral n'est pas le seul aux commandes. Soyons honnêtes, il, il a une telle légitimité euh, politique et historique que bon, euh... <laughs> c'est un petit peu lui le, le leader quand même. Donc nous avons, euh, avons Trall qui arrive et qui dit euh, à Anduin, vous vouliez du temps nous avons attendu. À quoi cela fait référence Parce que c'est beaucoup de références dans, dans, dans les textes. Donc nous avons attendu, c'est-à-dire qu'à la fin de Shadowlands, Anduin ne revient pas sur Azeroth. Euh, c'est le cas de Thrall, c'est le cas de Jaina, c'est le cas d'à peu près tous ceux qui ont, tous les acteurs qui ont participé euh, à Shadowlands, sauf deux, en, en l'occurrence, Sylvanas, qui évidemment a eu son tribunal et, et a eu... Euh, et a des travaux d'intérêt généraux pendant... Euh, Très 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 longtemps à devoir euh, évacuer les merdes qu'elle a faites, euh, notamment dans l'antre, euh, comme punition, comme châtiment. Euh, et au final, nous avons Anduin qui a voulu un petit peu rester dans les terres d'ombre, rester dans le domaine, dans, dans les royaumes de la mort, pour eh bien, euh, méditer un petit peu sur ce qui lui est arrivé, sur le traumatisme qu'il a subi. Et donc, eh bien, euh, ça, ça fait référence à cela. C'est-à-dire que à la fin de Shadowlands, nous l'avons attendu. Pendant euh, l'ellipse de, euh, de 3 ans pardon, entre Shadowlands et Dragonflight, nous avons attendu. Pendant Dragonflight, nous avons attendu. Mais maintenant, mon coco, va falloir se réveiller. Va falloir se, se lever et bouger. Euh, ce qui est assez intéressant à ce niveau-là. Alors par contre, moi, c'est aussi le deuxième problème de la cinématique, mais qui n'est pas vraiment la cinématique. C'est Tral, qu'est-ce que tu branles à Dragonflight Non, parce que bon... Une extension sur les éléments avec les seigneurs élémentaires euh, qui se veut dans la droite lignée de Cataclysme, hein, à tel point que des fois c'en est vraiment euh, psychiatrique, hein, à tel point il copie Tral, où es-tu <laughs> Genre, toi par contre, on t'attend aussi euh, dans Dragonflight. Donc, euh, ça c'est vraiment un gros problème de Dragonflight, mais on y reviendra un jour dans le bilan de Dragonflight. Donc. Euh, mais le temps seul ne guérit rien. À quoi cela fait-il référence Eh bien, Trall est passé par là. D'ailleurs, on le voit, il commence à vieillir un petit peu. Trall, il a des cheveux blancs, etc. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est normal que Trall ait des cheveux blancs. Je vous rappelle que Trall, euh, ça fait un moment que Blizzard le considère un peu comme un papa. Euh, Trall, il a tout juste la quarantaine d'années là. Il entame sa quarantaine. Hein. Euh, il vient, entre, entre guillemets, à Dragonflight. C'est simple, hein, la chronologie est basée sur l'âge de Trall. Donc quand on est en l'an 40, il a 40 ans. Donc là, en fonction de la durée d'Iron Flight, il a soit 40, soit 42 ans. Donc, ok, ça commence à être un papa, tout ça, mais doucement. Hein. Dans la... Je me rappelle que beaucoup à BFA disaient Bah oui, Tral, c'est le papa, tout ça. Tral, à BFA, il a, il a, 30... il a la trentaine. Hein. Euh... <laughs> donc, calmos, hein. il avait 35 ans à BFA, Tral, hein, et on le considère un peu comme un vieux, en mode Oui, euh... même lui, il parlait comme un vieux, en mode mecs, eh, mec, euh... oh, ça suffit maintenant. Euh, donc, euh, des fois, je me dis C'est Blizzard à oublier qu'il a... Il a 40 ans, en fait, euh, Tral. Mais bon, là par contre le temps seul ne guérit rien, il est passé par là. Euh, évidemment, il a perdu des, des personnes qui lui étaient chères par le passé. Je pense notamment à Orgrim, qui a été un peu son père euh, spirituel, qui était le deuxième grand chef de guerre de la horde avant Thrall, et qui a donné les clés littéralement. Euh, C'est d'ailleurs le petit bémol aussi que j'ai dans cette cinématique, bon du coup j'avais dit un seul, il y en a trois, mais euh, Thrall porte l'armure d'Orgrim Doomhammer et il porte du coup l'héritage de la Horde et de ce que doit euh, faire la Horde. Et il le porte littéralement, c'est d'ailleurs le, tout, le, tout le principe de son armure, c'est qu'il porte l'armure d'Orgrim Doomhammer, il porte le destin de la Horde et des orques sur ses épaules. Et c'est normalement d'ailleurs pour ça qu'il est censé avoir Doomhammer dans la main. Il y avait une statue de Thrall qui était euh, sortie, et qui avait été offerte à, à Medzen à l'époque, euh, quand il n'était pas encore euh, pendant Shadowlands. Et au final, on voyait Thrall avec sa hache et un marteau, qui était Doomhammer. Il avait les deux, et je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas, qu ait pas son, son marteau. Malheureusement, il a que sa hache, Tral, et ça, ça me gêne un petit peu. Alors, je sais pas si c'est asymétrique, on voit, mais dans les arts qu'on a vus, malheureusement, il n'a que la hache, et je trouve ça un peu dommage. Ça, ça casse un peu, justement, ce côté. Bah, il, porte, euh, il porte littéralement euh, le, le poids du passé, et il doit le faire avancer. En fait, ce serveur du passé pour avancer. C'est l'une des, des leçons que Tral va essayer de véhiculer à Anduin, qui est beaucoup plus jeune pour le coup, hein, qu'à euh, globalement 27 ans, comme on disait, hein, autour de 27 ans. Donc, le temps seul ne guérit rien. Bon, comme je disais, il a perdu des gens chers dans sa vie. Mais surtout, eh bien, ça rappelle un épisode très marquant pour Trall. C'est Garrosh, une personne qu'il avait pris sous son aile, euh, qui s'est avérée être un gros con euh, nostalgique du passé, euh, un passé fantasmé, hein, euh, qui est complètement récupéré, où il enlève tout ce qui ne qu l'intéresse pas, et récupère juste... Euh ce qui va être des thématiques profondément teintées des années 30 et des années 40, hein, globalement, hein, de notre siècle à nous. Ah, donc, bon, c'était pas, pas dingue. On a fait pas mal de vidéos sur Garrosh. Et globalement, et eh bien, Tral s'en veut, bien sûr, d'avoir mis au pouvoir un gros con euh, fasciste qui a foutu à feu et à sang la, le monde. Donc, évidemment, il y, y a eu une petite phase de deuil à ce niveau-là pour Tral. Et notamment, et eh bien, euh, je, je crois que c'est. Anduin dit... Euh... Oui, J'ai raté une phrase, je crois. C'est celle-là. Vous, ouais. Vous êtes venu... Vous êtes venu pour qu'on ne peut pas se cacher. Et en fait, ça, justement, je l'avais raté, celle-là. C'est une référence au fait que pendant Battle for Azeroth, Thrall était, entre guillemets, caché sur Draenor. Euh, sur notre Draenor, hein, l'Outre-Terre. Et du coup, c'était Varok Sorfang, quelqu'un qui a eu... Un... Donc un vieux vétéran orc qui a eu un impact important dans la vie des deux personnages. Et qui sert du coup de lien de connexion entre les deux d'ailleurs avec Sorfang qui avait dit à Tral on ne peut pas se cacher en fait on ne peut pas il faut combattre on ne peut pas euh, en permanence se cacher ce qui en gros était un peu la leçon euh, que Sorfang avait donné aux deux d'où cette liaison et le fait que du coup vous vouliez du temps nous avons attendu mais le temps seul ne guérit rien c'est aussi une de ces étapes là c'est à dire que Garrosh euh, bah, il faut assumer il faut assumer et continuer et réparer les erreurs et avancer reconstruire et construire le futur euh, le passé euh, peut être instructif, mais il ne faut pas non plus qu'il devienne un fardeau. Et c'est globalement la leçon que trall a apprise. Et je suis très content parce que si un gros un de mes. Bon, est un de mes personnages préférés. Généralement, quand on me dit qui est ton personnage préféré, je dis trall parce que c'est plus simple plutôt que de faire le listing de tous les persos que j'adore. Mais c'est vrai que trall ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'à Warlords of Draenor, il avait appris sa leçon en mode garoche t'es juste un gros con. Parce que depuis euh, globalement euh, Cataclysme, euh, trall, il est en mode euh, j'ai fait des bêtises, tout ça. Bah oui, bah, à un moment donné, euh, sort, sort toi les doigts et défonce-lui la gueule. Et euh, à la fin de World of Draenor, c'est ce qu'il fait. Et globalement, on se disait, c'est bon, il va pouvoir aller de l'avant. Le problème, c'est que Medzen a euh, eu justement. Euh, bah oui, le personnage de Tral est intrinsèquement lié à Metzen, hein, le créateur euh, et le scénariste, L'un des scénaristes principaux de Blizzard, et donc eh bien, c'est lui qui double Tral. Je crois que c'est lui qui est en motion capture aussi pour, pour, pour trall mais ça c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est lui qui double trall c'est lui qui a écrit Tral. trall, trall c'est son personnage qui le représente quasiment en jeu. Du coup, eh bien forcément, à Légion, pourquoi Thrall recule C'est parce que Medzen était en retraite. Et notamment, en globalement, euh, bah, il avait eu des gros problèmes de santé, notamment vis-à-vis euh, -vis de... Euh, J'allais dire de burn-out et de grosses critiques qu'il avait pris de la part des fans à l'époque, et ça l'avait complètement. Euh, ça lui avait fait très très mal. Et donc il avait fait une pause, une très grosse pause, enfin finalement une très grosse pause. Et euh, eh bien du coup, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu le. On entend à la fois le personnage et euh, le... <laughs> Malheureusement l'histoire du personnage est très liée au final à Medzhen, et ce qui fait que l'arc de Thrall, euh, depuis Légion, bah en fait à Shadowlands on a eu un bis répétitoire de Warlord of Draenor en mode Oui euh, ce que Garrosh a fait, euh, bien sûr t'en as une part de responsabilité, mais Garrosh a fait ses propres choix, ce n'est pas euh, de ta faute là-dessus, euh, c'était un gros con, et maintenant tu lui as cassé la gueule, avance. Ça faisait un peu bon, c'est bon là, tu vas pas apprendre dix fois la même la même leçon, Tral. Donc enfin justement, il redevient le, le mentor en fait. Et ça c'est cool de voir Tral papa vraiment être le mentor. Il l'avait fait pour Garoche, ça s'est très mal passé. Donc euh, faire écho à ça pour, pour, dans la construction d'Anduin, ça peut être intéressant. Et donc j'aime bien j'aime bien le fait qu'il lui rappelle justement ça en mode euh, le temps seul ne guérit rien puisque lui-même a vécu cela. Je sais j'ai fait une longue Parenthèse, mais je pense que c'était important. C'est beaucoup de contexte dans hein, cette thématique, comme je l'ai dit. Donc, euh, Anduin qui lui dit Vous n'êtes pas juste venu pour moi, ce sont les visions. Et oui, puisque euh, c'est le principe même et le cœur même de certains personnages de l'univers et de certaines catégories de l'univers, j'ai envie de dire. Comme c'est un monde de magie, eh bien, nous avons des personnes qui maîtrisent la magie et qui, notamment certaines, en affinité avec la terre et avec globalement les éléments et d'autres forces ce qui fait qu'ils peuvent entendre des choses que le commun des mortels n'entend pas en l'occurrence Anduin a été pendant toute sa vie euh, enfin pas toute sa vie mais globalement c'est un prêtre qui a toujours servi la lumière avec un grand L en tant que force cosmique du coup il a parfois eu euh, accès à des choses encore une fois que le commun des mortels n'a pas, Thrall lui plutôt est dans ce qu'on appelle, qu appelle un chaman, orc c'est à dire que c'est quelqu'un qui parle aux éléments et qui entend euh, les voix des ancêtres et des éléments et donc, Tral, il est très habitué à entendre des, des, des voix, on va dire. Anduin un petit peu moins, aussi, mais un petit peu moins. Euh, Anduin. Donc on a euh, deux personnes qui entendent des choses et qui ont des visions. Du coup, euh, sachant que la vision avec la lumière, bon, vous connaissez Velen, ça va, c'est pas, pas le, dra le prophète Draenei qui, justement, a des visions de la part de la lumière. Donc les deux ont eu, euh, ont été appelés ici à Celitus euh, par euh, justement ces visions, c'est-à-dire celles qu'on a vues. Hein, euh, Azeroth qui leur parle. Le truc, c'est que ces deux personnages n'ont pas conscience que c'est Azeroth qui leur parle. Pour Anduin, c'est tout à fait normal. Pour tral, il entend les éléments, etc. Donc, il de... après, il dit. À un moment donné, il dit :« Je crois que je sais, mais je ne suis pas sûr. » Et ça a fait pas mal tiquer beaucoup de gens. c'est en mode :« Mais attendez, mais comment ils comprennent pas que c'est Azeroth qui leur parle ?» euh, Ça, je trouve que beaucoup de gens ont tiqué, notamment au niveau des internationaux. « Non, mais c'est n'importe quoi. Magni, sait que c'est Azeroth. » Bla 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 Magni qui est euh, le héros d'Azeroth, donc justement qui était censé être l'orateur, le porte-parole de la voix du titan en gestation Azeroth. Euh, mais visiblement, Magni fait très mal son travail, donc Azeroth essaye euh, de euh, renouer le contact avec d'autres personnes. Et on peut tout à fait... Euh, on peut pas trop lui en vouloir, à Azeroth, parce que c'est vrai que Magni ne euh, fait pas forcément très bien son travail, le, grand, le, le, le pépère, hein. Et j'aime bien Magni, hein, mais c'est vraiment problématique. <laughs> donc, euh, visiblement, elle ouvre des succursales, euh, Azeroth. Et en l'occurrence, justement, Tral dit que probablement beaucoup d'autres ont eu cette vision. Euh, on le sait déjà, puisqu'il y a une cinématique gameplay que je jouerai dans la vidéo sur The War Within. C'est globalement, et eh bien, Aleria qui a aussi des visions là-dessus, euh, et probablement euh, d'autres. Mais clair que, il est clair que les chamans, les druides, etc. peuvent avoir des visions aussi. Euh, pourquoi pas des prêtres et tous ceux qui ont des liens avec euh, une certaine forme de magie. Pas forcément les magiciens normaux, mais euh, pas mal de, de, de créatures liées aux, aux éléments. Et aux forces primordiales, ce serait pas déconnant qu'ils aient, des... aient des visions. Mais donc, euh, comme beaucoup d'autres sans doute, et on va euh, on va continuer puisque <coughs> donc Tral qui touche la terre, donc il sent que ça vient du très fond euh, de la terre. Euh, elle clame sa... quelqu'un clame sa présence depuis le cœur du monde comme une voix issue d'un rêve. Euh, une chose sombre approche à grands pas Anduin. Euh, le monde a encore besoin de votre lumière et c'est à ce moment-là où Tral essaie vraiment de convaincre Anduin de revenir puisqu'il est en, en tant que dirigeant et, et sa lumière, c'était ce que voulait arracher le geôlier à Shadowlands, la lumière d'Anduin qui croyait, qui avait une telle croyance en la lumière et qui était tellement pétri de bonnes intentions, Anduin qui est un grand idéaliste à la base, que c'est aussi la chose que recherchait le geôlier en brisant Anduin, ça faisait partie de ça pour qu'il puisse s'incarner en lui. Et donc, le monde a encore besoin de votre lumière. Et à ce moment-là, vous avez la transition CGI d'une de cinématique, des cinématiques de fin de Shadowlands, euh, où on avait Anduin qui était avatar du Geôlier et euh, qui voyait son âme petit à petit se faire euh, arracher, hein, globalement, se faire euh, être morcelée en, en lambeaux. Et pendant le combat, eh bien, on fragilise l'emprise du Geôlier sur Anduin et Anduin eh bien, a une vision. Euh, je... Ça aurait pu être mieux fait, mais globalement, il avait une vision de deux personnes Varrox Orphan que j'ai évoqué, et son père, Varian, euh, Vrin, ou Varian Vrin, le père d'Anduin. De, de, et du coup, bien, c'est ça Mon fils. Mon fils que vous entendez, c'est euh, Varian, avec le thème emblématique de la ligne Evrin maintenant. Hein, globalement, entre Varian et Anduin, c'est globalement le thème euh, emblématique, notamment de Légion. Et du coup, eh bien, euh, on voit, c'est d'ailleurs le, le, le truc, on voit, ça fait très Reaper of Soul de Diablo, mais on voit en gros son âme justement, et, et ça vous rappelle directement Shadowlands. Et c'est le moment où, en gros, euh, avec euh, l'aide du coup de Varian et Varrox euh, Orfang, et Sorfang, eh bien il va, euh, en, en sentant leur présence euh, d'âme, eh bien il va se il va briser l'emprise du geôlier sur lui, et il va se libérer. Et eh bien, ça, c'est euh, justement, c'est globalement ce qui le hante, évidemment. Et là, le, 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 travail, le travail, vraiment, le, les graphismes sont, in, sont impressionnants, sont vraiment impressionnants. Et c'est le moment où, et eh bien, il, re, il repousse, globalement, il repousse Et d'ailleurs, il y a un très gros fort raccord, parce que si Tral pose sa main là, alors, ok, il a des grosses paluches, le pépère, mais il devrait être juste derrière. Donc là, Tral est empalé. <laughs> Là, normalement, Tral est là, donc euh, il est empalé. Mais bon, ça aussi, c'est pour faire écho à Shadowlands, pour ceux qui ne l'auraient pas. Euh, Anduin n'arrêtait pas de faire ce que j'appelle les art à euh, tout le temps à faire la même chose. À Shadowlands, c'était très, très lourd. Euh, c'était absolument pas, euh, que, comment dire c'était pas du tout subtil, là pour le coup il y a une certaine subtilité parce que comme il a pas les cheveux blancs, comme il a pas l'armure euh, façon fléau etc, façon mort-vivant et tout euh, qui n'était pas mort-vivant, Anduin n'était pas mort-vivant à Shadowlands, hein, je tiens à le rappeler et eh bien en l'occurrence euh, là ici, même si c'est pas non plus super subtil, ça a un sens ça a un véritable sens narratif et de lecture, puisque là vous comprenez instantanément que c'est une référence à Shadowlands pour ceux qui l'auraient pas compris avec la, le, la moment juste avant, là, on comprend instantanément que c'est une référence à Shadowlands. Donc vraiment, c'est euh, les épreuves de Shadowlands qui mettent Enduin dans un état pas possible, hein, puisque jusqu'à présent, il quand même y communiquait normalement. Là, il sort son épée pour dire "Tu me touches pas, euh, Tral, euh, tu me touches pas". Donc, euh, il veut marquer littéralement une distance avec son, avec la personne avec laquelle il converse. Et euh, du coup, Enduin qui dit même qu'il n'est plus cette personne. et eh oui. Euh... Euh, je n'ai aucune lumière pour lui. Ce qui... Alors, et là, ça va être le moment aussi. Euh, pas après ce que j'ai vu, pas après ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait beaucoup évoqué sur le bilan de Shadowlands que je vous conseille, bien entendu, de regarder. Il euh, y avait l'analyse de la cinématique plus le bilan de Shadowlands où, où on travaillait ça. C'est que euh, ces paroles sont véritablement bouleversantes et très profondes. Et je n'enlèverai rien à... Enfin, si je vais le faire, mais je... clairement, le fond est excellent. La forme est discutable. Pourquoi parce qu'achat de Anduin, il n'a pas fait grand chose en fait. Il a pas de sang sur les mains. Il a tué quasi personne. Bon, les deux faits nocturnes, on bat les couilles, hein, on s'en fout. Enfin, pas pour. Vrai, enfin, mais c'est pas grand chose. Il y a pas malheureusement, Anduin n'a pas fait un geste irréparable. On avait évoqué le fait qu'il aurait pu tuer à l'époque l'Arconte, la dirigeante du bastion. Finalement, elle, est, elle, 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 elle va bien. Hein, elle a même pas de cicatrice, tout va bien. Euh, et alors qu'il l'avait empalé... Et surtout, par exemple, un truc qui aurait été très intéressant, plutôt que de, de collectionner les personnages inutiles, ce qui aurait pu être très intéressant à Shadowlands, et c'était quelque chose qu'un arc narratif qu'on avait évoqué déjà à l'époque avec, euh, avec Eva avant que ça arrive, c'était potentiellement qu'il tue l'un de ses mentors, à savoir Bolvar Fordragon Dragon, qui avait été un peu son parrain, enfin c'est son parrain d'ailleurs, et qui l'avait élevé, etc. Et tuer Bolvar en euh, possédé par, le, par le, le geôlier aurait eu beaucoup plus de poids. Au niveau de la narration, là effectivement, il aurait du sang sur les mains, il aurait tué quelqu'un qui l'aimait. Euh, et donc, là, ses paroles n'auraient pas été vides de sens. Parce que malheureusement, alors ce qu'il a vu, d'accord, ce qu'il a fait, bah pas grand chose mon grand, t'as pas fait grand chose à Shadowlands. Donc ça, ça tombe un petit peu, je trouve, euh, c'est un petit coup d'épée dans l'eau, je trouve, et c'est dommage. Parce que euh, s'il avait eu une mort marquante, euh, s'il avait tué quelqu'un à Shadowlands... Là, effectivement, on aurait pu effectivement beaucoup plus comprendre et avoir de l'empathie pour, pour ce que fait Andui. Je dis qu hein, en Je ne pas qu'on n'a pas d'empathie, j'en ai, hein, bien entendu. Ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux, cette, cette cinématique. Mais bah, quand tu as fait Shadowlands et que tu connais Shadowlands, bah, il n'a pas tué quelqu'un. Euh, il n'a pas. Euh, ça va, ce que tu as fait, bon, effectivement. Alors après, je, je n'enlève pas, hein, ça reste un trauma. Il s'est fait violer son corps et son esprit c'est une épreuve extrêmement traumatisante mais qu'aurait eu beaucoup plus de sens encore une fois s'il avait tué euh, quelqu'un euh, à qui il tenait. En l'occurrence, euh, on voit ici l'épée Chalamène qui était l'épée de son père, que son père, mon fils, lui a transmis, et d'ailleurs ce qui est intéressant et qui a toujours été remarqué, c'est que euh, l'épée est une épée magique et une épée qui normalement euh, brille en fonction du, du porteur. Et en l'occurrence, eh bien là il n'y a pas de... quand il fait son Arthas Pose là. Euh, juste après j'arrive pas à... Merde. Voilà, là. Je vais y arriver. Voilà, là, il n'y a pas cette petite étincelle qui est euh, au milieu. Et j'ai l'impression que c'est pas la partie entière aussi d'ailleurs. Mais bon. Dans tous les cas, il est censé y avoir une petite étincelle là. C'est pas une erreur hein, le fait qu'elle soit pas là, c'est pour montrer justement l'état mental d'Anduin qui a l'air brisé. Hein. Tout est là pour vous montrer qu'il est brisé. Il a d'ailleurs un, un très très gros look Jedi. Euh, je pense vraiment à Cal de Fallen Order avec euh, son poncho et tout. Euh, ça fait vraiment euh, l'ordre le, le, brisé, le mec brisé, le Jedi brisé. On sait qu'ils adorent Star Wars euh, les, les créateurs de Warcraft donc. Euh, <laughs> enfin, moi, Je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu euh, Et en plus dans le, dans le sable et tout ça fait très Tatooine Il y, y a un petit, il a un petit côté de Jedi brisé je trouve là Anduin euh... Et donc c'est le moment où Trale, Tout ce que je vous ai dit avant, tout le contexte c'est le moment où cette phrase prend tout son sens. Vous n'êtes pas votre passé, Anduin. C'est tout simplement eh bien, euh, la leçon que Thrall a apprise. Euh, Thrall n'est pas, euh, pas la somme des erreurs qu'il a fait. Elles font partie de lui, mais il doit aller de l'avant et justement ne pas les reproduire. Et c'est en gros ce qu'il essaye de transmettre à Anduin. Et il lui fait le truc qui m'a vraiment mis les, les larmes aux yeux, c'est ce, ce moment qui est très important. Anduin essaye de marquer euh, et menace, mais en plus il essaye de créer une... Euh, une distance avec son homologue, et, euh, eh bien, Tral est prêt à s'avancer et risquer de se faire empaler, et donc, il il, euh, il fait ce que Anduin était censé faire quand il, est, quand il croyait en la lumière, c'est-à-dire croire. Anduin est quand même, quand je parlais d'idéalisme d'idéalisme et d'idéaliste, c'est un idéaliste qui croyait en la bonté des gens à tel point que son père lui a rappelé que non on peut pas croire en la bonté de tout le monde et euh, Anduin a encore les stigmates aussi d'une cloche qu'il a pris dans la gueule à Mithrandir par un certain Garoche donc ça serait pas étonnant si que dans les discussions il y ait des rapports vis-à-vis -vis de, des discussions de temps en temps sur Garoche euh, parce que bah, c'est aussi un des persos qui sert de lien entre les deux mais au final et eh bien là Trall fait euh, fait la confiance absolue en, en Anduin c'est-à-dire qu'il est prêt euh, si jamais Anduin déconne, bah, il le, Anduin le plante. Hein. Donc, euh, Tral, justement, lui, lui fait un grand euh, signe de. Il croit, littéralement, il croit en Anduin. Et c'est ce qui le touche euh, fortement, bien sûr. Et il le dit d'ailleurs. Hein, ça ne suffisait pas. Il le dit aussi Je crois en vous. Je crois en vous. Et la croyance, c'est quand même le cœur et la base d'un prêtre, en fait. De croire en quelque chose. Et plus il croit en quelque chose, plus il est fort. Et c'est de là où, d'ailleurs, Anduin était quand même l'un des prêtres. Euh, les plus prometteurs, pas forcément les plus puissants, j'aime pas parler de puissance, mais l'un des plus prometteurs, puisque c'est la croyance qui l'a toujours euh, habité et qui lui a permis de faire de grandes choses. Cinématique de Battle for Hazard, notamment. Et c'est ce qui lui fait mettre les larmes aux yeux. Et bien sûr, les violons nous mettent tous les larmes aux yeux à ce moment-là. Et donc. Je passe parce que bon, c'est très très beau, mais euh, là on va essayer d'analyser de, 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 plutôt le texte et ce qui est dit. Si c'était pas assez euh, transparent, on a euh, Tral qui, en plus de ça, derrière lui tend sa main. Donc là, voilà, ça, ça continue. C'est pas la fois visuelle, c'est aussi thématique. Et donc, euh, ce qui met fin à leur, euh, leur entrevue, c'est Azeroth qui, qui les agresse un petit peu mentalement, hein, en mode Écoutez-moi Alors, effectivement, l'urgence de la situation fait qu'elle euh, attaque. Mais ce qui fait qu'aussi on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment Azeroth qui leur pose la. Alors, Je pense que oui, c'est évident que c'est Azeroth, la World of Saga, etc. Mais on sait très bien qu'il faut toujours faire attention au niveau des voix parce que il bah, y a des forces plutôt obscures hein, qui ont utilisé ce style de procédé en se cachant, en se faisant passer pour quelqu'un de bien et tout le monde pensera au dieu très ancien avant tout. Mais je vous rappellerai que le Roi Lich hein, murmurait de jolies choses à plein de personnes et que le Roi Lich, bah. Shadowlands, tout ça, tout ça, c'est pas mal lié. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour euh, un être de lumière avec une très douce voix, très jolie, et qui finalement eh bien, a niqué tout le monde. Vous savez, bah c'est juste son épée qu'on voit derrière, hein, c'est Sargeras. Donc les, généralement les, 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 la, les, les adeptes de la magie noire ont souvent utilisé ça. Même si là, ça semblerait effectivement être Azeroth, mais je préfère toujours... Là-dessus, garder potentiellement plusieurs pistes, ne jamais vraiment tunnel vision sur une. Il euh, y a de très grandes chances que ce soit Azeroth, mais attention, on n'est pas à l'abri de fausses voix aussi qui se feraient passer. Azeroth transmettrait effectivement ça, mais d'autres qui essaieraient de se faire passer pour Azeroth pour euh, leur dessin. Surtout que, bon, on n'est pas loin d'un dieu très ancien d'ailleurs ici avec, euh, avec euh, Khassoun, donc Ktoun, Khatun, vous le prononcez comme vous voulez. Donc, euh, on n'est pas à l'abri de ça, même si pour le moment, euh, on n'a pas vu l'ombre d'un dieu très ancien, ne vous en faites pas, on parlera des Zalatas, évidemment. Donc, euh, globalement, là, on a vu ça, et l'idée que Yvon, euh, je serai à vos côtés, blablabla, bla 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 bla, donc Anduin est convaincu, quoi qu'il arrive, mais euh, nous, avons, nous avons été tirés ici par une voix qui, donc, nous appelle, et, euh, et donc Tral dit je, je n'en suis pas sûr. Il ne dit pas je ne sais pas, il dit je n'en suis pas sûr. Donc il préfère avoir des certitudes. Faites comme Tral, c'est bien. <laughs> Plutôt que de partir en théorie à la mort moelle euh, il essaye, il préfère avoir des certitudes, c'est bien. Mais cette épée était pointée vers quelqu'un et évidemment cette épée a été pointée vers Azeroth. Donc il répond un petit peu aussi. Euh, J'adore à la, la, la fin. On dirait très dune, et c'est rigolo parce qu'on est dans le sable. Mais... Vers quelqu'un, vous, vous en ça, ça fait très dune, je trouve. Euh, le, le dune de Denis Villeneuve, euh, ses voix comme ça, ça, ça marche bien. Et donc, voici l'introduction de The War Within, puisque nous allons aller dans, euh, les, euh, dans les profondeurs du monde et démarrer la saga de la World Soul Saga. Une vidéo sur la World Soul Saga arrive, donc je vais m'arrêter là. On a suffisamment été long. Je tiens à dire que la World Soul Saga ne commence pas avec The War Within, mais avec Dragonflight. Voilà, et j'en parlerai plus longuement dans les prochaines vidéos qui arrivent. Merci à tous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Bisous, et à plus dans le Nexus. Bonjour, je suis Sargaras. Comment ça, je suis démasqué C'est faux. Bonjour, je suis Sargaras. J'ai choisi de prendre cette petite voie pour essayer de vous amener vers la lumière. Lumière. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du cheval qui est en bas le Twitter, le Facebook. Likez, commentez. A bientôt pour plus de vidéos. Ouais, je suis un peu rappeur. Non, pas du tout.